Bonjour les amis et bienvenue sur Web Paranormal. Cette semaine, nous allons nous pencher sur un phénomène étrange, la possession démoniaque. Il s'agit d'un phénomène qui a été relaté de nombreuses fois au cours de l'histoire et qui prend ses racines dans l'ensemble des religions de notre planète. Le principe est simple, une entité maléfique prend possession du corps d'un humain et refuse d'en partir. Il s'agit en quelque sorte de la version paranormale du squatter. Depuis l'aube de l'humanité, la science a fait de nombreux progrès et nous savons à présent que ce qui semble être des possessions diaboliques est souvent la manifestation de problèmes psychologiques. Que ce soit l'épilepsie, la schizophrénie ou encore l'hystérie, les symptômes de ceux qui subissent cette terrible épreuve semblent correspondre à ces maladies. Pourtant, dans certains cas, la psychiatrie n'est pas en mesure de soulager, guérir ou expliquer ces comportements étranges. Nous entrons alors dans le domaine du paranormal. Et nous savons que ces possessions ont pour origine des envoûtements ou des pratiques permettant d'ouvrir certaines portes de l'au-delà, telles que le spiritisme. Nous commençons par un phénomène de société qui existe dans l'hindouisme. Dans cette religion, il est d'usage d'autoriser des petites divinités à posséder les individus pendant une courte période. Ces possessions se font avec l'accord de plusieurs habitants d'un village ou d'une communauté et elles permettent à ces entités de goûter l'expérience de la vie humaine. Il existe aussi dans l'hindouisme des possessions non désirées, comme dans les autres religions. Mais notre première vidéo va porter sur ce lien remarquable entre humain et divinité. Nous poursuivons avec un cas de possession classique au Pérou, subi par une jeune fille de 14 ans, et nous enchaînerons avec deux autres cas bien effrayants. Découvrons ensemble ces images et accrochez-vous. Yeah.
Quand on parle possession, on pense immédiatement à l'exorcisme. Cette pratique consiste à faire partir l'entité démoniaque qui possède un individu grâce à des rituels religieux. Chaque religion possède son propre rituel, mais le prêtre, le rabbin ou l'imam utilisera toujours les textes sacrés et les symboles de sa religion pour venir à bout de l'entité maléfique. Je vous ai trouvé trois vidéos d'exorcisme, deux par la religion musulmane et l'autre par la religion catholique. Je sais pour avoir pratiqué ce genre de rituel que ces trois-là ne sont pas vraiment conformes à un exorcisme efficace. Cependant, ils vous donneront un aperçu des techniques utilisées. Aku mau jaga dia. Kamu jaga dia? Aku. Itu alasan kamu saja? Enggak, ya baik. Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan, Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan. Enggak. Perhatikan. Enggak. Oke, kalau kamu sudah memperhatikan, maka saya akan saya bacakan Al-Quran depan kamu supaya kamu tersisa. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Lagi-lagi pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan keluarkan. Kamu zalim. Nah, aku tidak mau keluar. Tidak keluar. Tidak mau. Tidak mau. Aku mau keluar. Tidak keluar. Kamu keluar. Kamu keluar. Tidak. Kamu keluar. Tidak. Kamu keluar. Tidak. Kamu keluar. Tidak. Kamu set pukul. Tidak. Keluar. Tidak. Kamu keluar. Kamu keluar. Kamu keluar. Tidak. 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 Kita baca. Tidak. Tidak. Kita baca. Lepas sudah badannya ni. Tidak boleh. Aku lepas sudah badannya. Aku baca. Tidak mau. Tidak mau. Tidak. Tidak. Bonjour. Bonjour. Je suis venu en paix. Ah, que si je suis venu en paix. Alors, écoutez-moi attentivement. Appelle tous les autres qui sont avec toi dans l'établissement.
ou bien à côté. أينما تكون يأتيكم الله جميعا الله على كل شيء قادر أينما تكون يأتيكم الله جميعا الله على كل شيء قادر لو أينما تكون يأتيكم الله جميعا الله على كل شيء قادر أينما تكون يأتيكم الله جميعا الله على كل شيء قادر. C'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être informé des nouvelles sorties. Et mettez un joli pouce bleu si vous avez aimé ma sélection et pour m'aider au référencement. Enfin, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec vos amis. À bientôt sur Web Paranormal.